Mokonzi, kanisa eklesia ya yo e palangani onse mobimba. Okolisa bolingo bwayo mitema miabana bayo. Kanisa papa biso François. Na episcopo biso lokumu Fridolin. Lisanga ya ba episcopo banganga nzambe na badia kono banso. Mokonzi, o kanisa bango banso. Kanisa pe mo saleli wayo Miriam Mukwene Sona azalaki na biso omolongoli onze elelo obengi epa ya yo na batisimo awaki liwali ya Yezu bongo asekwa pe nsekwa ya mwana wayo o kanisa pe bandeko babiso bawe bazalaki na elikya ya kosekwa O kanisa wa ebanso batiki nse eyi oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo Mokonzi o kanisa bango banso elongo na ba libota elongani pe bana bamiria elongo na baninga pe bayebani baninga bamosala bamedecin obondela yo oyokela biso banso mawa Oyamba biso bomoi waseko. Elongo nongondo mo Santo Maria mogoti wansam na Santo Joseph molonga niwaye. Elongo na baposolo pe na basanto bayobanso. Baye sengwa nwarete na bakanja. Akwa, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous disons, délivre-nous du mal. Dans cette prière qui est le don de Jésus lui-même à son Église. Et tous ensemble, lèvons-nous et prions cette prière qui est le don de Jésus. Oh,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que nous voulons adresser au nom de la famille à Myriam Kwemi qui nous aime. Myriam, me voici prendre encore parole. Comme tu l'avais l'habitude et comme tu l'avais toujours souhaité dans toutes les circonstances de ta vie. Et aujourd'hui, je viens, au nom de la famille Mukwene et Gisamba, te dire un dernier adieu suite à la mort véritablement foudroyante qui vient de t'enlever à l'affection de tes siens. Né à Kinshasa le 23 février 1988, au centre médical Dr Yanga à Kinshasa, Limité, où elle vient d'y trouver la mort également, ce 22 juillet 2024, suite d'une embolie pulmonaire. Fille de M. Hippolyte Mukwene et de Mme Gabrielle Kalet. Elle était troisième d'une famille de 5 enfants, 4 garçons, et dont elle était l'unique fille. Notre petit frère Daniel Mukwene l'a précédé en 1994. Mariée à M. Wilfran Mabiongo Kisamba, elle laisse 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Myriam fit ses études primaires à l'école Malula de Mongafula, en passant par Moamba. Elle obtint son diplôme d'état au lycée Motema Mpiko de Kassavu, section pédagogie en 2005. Après ses études secondaires, elle va s'inscrire à l'ISTEM Kinshasa et obtient les diplômes de gradué des infirmières. Jeune qu'elle était, et encouragée par ses parents, Myriam reprit ses études universitaires à l'université Bel Campus de Limité et obtient son diplôme de docteur en médecine en 2018. Et inscrit au tableau des ordres de l'ordre de médecins sous le numéro 32 891 en date du 6 février 2020. À la sortie de l'université, elle a travaillé respectivement comme médecin stagiaire. De 2009 à 2010, aux cliniques Bondeko en urgence. De 2013 à 2014, à l'hôpital 7 d'Enji, service pédiatrie, gynécologie, chirurgie et médecine interne et au sein de l'EP. De 2016 à 2020, au cabinet psychologique CPM de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Son Excellence Madame le professeur Sombo Thérèse, qui fut sa marraine de mariage. À 2021, au cabinet de santé de Materdei à Mongafula. Et enfin, elle vient de terminer sa vie professionnelle en qualité de médecin le 22 juillet 2024 à la maternité de Kitambo, où elle fut affectée par la commission d'affectation
Le site est EMS 1251 de 2022 du 7 mars 2022 au grade de médecin interne à la forme, à la fonction de médecin traitant. Au-delà de sa vie professionnelle, Myriam était chrétienne catholique engagée depuis son jeune âge. À la paroisse Saint-Maximilien Kolbe de Selembao et à la paroisse Mater Dei de Mongafula. Elle a reçu tous les sacrements de baptême, communion, confirmation et mariage. Elle a servi son Dieu comme Anwarite dans le groupe Kizitoya Anwarite, groupe K, jusqu'à devenir Yakayenga Yaya de la formation intellectuelle. Elle fut lectrice et engagée au groupe de renouveau. Docteur Myriam, nous savons que la mort existe, mais nous ne pouvions imaginer que cela t'arrivait dans de pareilles circonstances et en ces moments précis. Tu es parti bien trop tôt, à fleur d'âge, 36 ans. Et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Je suis très heureux d'avoir partagé avec toi une partie de ta vie. Toi qui avais l'art de cultiver l'amitié, la bonne humeur, tu étais juste, généreuse, sociale et sans parti pris. Tu rendais tous ces moments joyeux et uniques. C'est là pas seulement avec moi, ton grand frère aîné, mais aussi avec ton grand frère Inou Mukwene et ton petit frère Gradi Mukwene. Tu étais notre deuxième maman, après maman Gabi. Mais surtout, la confidence de papa Hippolyte, sa fille adorée. Nous aurons bien voulu grandir ensemble, élever nos enfants ensemble, surtout qu'ils sont encore petits. Ta mort brutale nous a poussés à nous poser beaucoup de questions. Tel que, qu'est-ce qui s'est passé? Myriam Amonakini, pourquoi ce mal ou ce malheur nous arrive-t-il en ce moment? J'ai essayé de fouiller dans les Écritures saintes et j'ai trouvé la réponse à toutes ces questions sur laquelle tu étais au milieu entre Tradi et moi. Quelqu'un m'a envoyé un message en disant, Myriam, tu as laissé ton frère. Myriam, tu as laissé ton frère. Oui, Myriam, tu as laissé non seulement ton frère, que tu aimais tant, mais tu as laissé aussi ton mari, Wilfranc, qui t'appelait affectueusement Mou. Tu as laissé ton mari, Wilfranc, abandonné et qui t'appelait affectueusement maman. Tu as laissé tes nièces et neveux qui t'appelaient tantine Myriam. Tu as brisé le cœur de ton père, Sonas. Ta mère, maman Gabi, qui t'appelait chaleureusement Mimi. Tes oncles et tantes maternelles qui t'appelaient Madi, car tu portais le nom de la maman Marie-Jeanne Manson. Tu t'appelais Myriam. Tes amis, tes beaux frères et sœurs, le gel âme te pleure la Myriam. Car tu avais l'idée d'organiser une fête d'ensemble entre tes frères et sœurs, tes enfants et nièces qui sont nés pendant ce mois. Mais hélas, le mois de juillet devient un mois de tristesse. Car désormais, nous penserons à toi, nous prierons pour le repos de ton âme. N'oublie pas de saluer notre petit frère Daniel Mukwene, qui est décédé dans une circonstance difficile de l'incendie
dont les cicatrices du cœur et physique sont encore visibles chez mes parents, pour avoir voulu sauver sa vie en les sortant du feu ardent. Mais hélas, Dieu avait décidé autrement. Myriam, salue nos grands-parents qui sont allés avant toi et qui t'accueillent dans la terre de nos ancêtres. Salut Coco Innocent Mkwene, Coco Ntsone Emiaka, Coco Thomas Kalete, salut Emo Kerembouma Marcelle. Myriam, n'oublie pas de saluer Noko Faustin Kalete, n'oublie pas de saluer Tantine Florine, Maman Jolita Mundele et Papa Mangala Rodolphe. Ta vie s'est arrêtée, mais ton souvenir reste présent. Ta famille pensera toujours à toi. Myriam, ton absence laisse un vide immense dans notre famille. Que ton âme repose en paix. Que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Nous disons dans notre dialecte qui est nos beaux. Merci beaucoup. Maria Moussako, Otto
A bénisse payez ou moi nawayo, Sainte Maria, maman Zambé, Zambé la poya biso basumuki, Sika wa peotan maligana biso, Maria lo sango, Oton ingratia, Mokondia zalina yo, A bénisse ya poya basi banso, A bénisse payez ou moi nawayo, Sainte Maria, maman Zambé, Zambé la poya biso basumuki, Maria lo sango, di grazia, mo conzia salima yo, a benicio yambo ya basi banso, a benici peyezu mwana wayo, Santa Maria mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, nika wa peo tango liwa ya biso. Kimbo na tata pena mwana pene limo santu, Zalaka ulibandela, esikawa, tena bileko biso seko. Amen. To sambela, Nzambe yon tangolo, Tokotika ndeko wa biso o maboko mayo, Tozali na elikia enene te nde asekwi o mokolo mansuka, Elongo na bato banso bawe o boyambi Kristu. E mokonzi, tokotondo kotondi po ya malamu manso, O pesaki mosaleli wayo Miriam Sona mokwene, Mosaleli wayo tango azalaki na ino awa onse. Mana manso makolakisa biso bolingi bwayo. Makolakisa pe lisanga tokosangana panso na Kristu. E mokonzi ntambolu tokoseke yo otandela biso matoi, ondima losambola biso, oyamba mosaleli wayo Miriam ondako ya yo. Biso baye totikali na ino awa onse, tolendisa mitema na mateya mayo. Tokopondela bongo Zami ya Yesu Kristu, Mokonzi wa biso, Mwana wa yo Nzambe, Azali na mpepo, Mwana wa yo Nzambe, Yeah.
Thank you.
allez poser. Oh,
D'emblée, je voudrais attirer l'attention de tout un chacun sur la vigilance. Pourquoi? Puisque par moment, là, il y a certains qui nous accompagnent, des méchants, et civils ou déviants. Ils sont là, ils font semblant de compatir à notre malheur. Ils viennent pour autre chose, pour nos téléphones, nos sacs à main, nos porte-monnaie, même nos véhicules. Donc, chacun de nous soit vigilant. Voilà, ça c'est primo. Secondo. Devant nous, dans le grand bâtiment, si vous êtes venu pour la toute première fois, nous avons prévu des sanitaires pour vous. Installation hygiénique, encore toilette pour dames. Deux moments, Myriam Moukouen est notre très chère, par cette citation qui nous dit ceci, je cite, « Il y a des larmes qui n'écoutent pas de nos yeux parce qu'elles deviennent des cicatrices dans nos cœurs. » Fin des citations, c'est d'après Cécilie Fleury-Affa. Mes chères familles, parents et amis, frères et sœurs, en ce jour si mémorable, jour de l'inhumation, Moukouené Myriam, ici en cellule dit la nécropole de Kinshasa, lieu 16 choisi pour sa dernière demeure. Nous vous invitons à saisir cette opportunité pour exprimer votre sympathie au moment de sa séparation. C'est en ce moment qu'il convient de présenter au nom de toute l'équipe de la nécropole intéressée nos condoléances du plus sincères à la famille, aux amis et connaissances du docteur Moukouené. Cette cérémonie, en plein de dignité et de solennité, doit permettre à nos émotions de s'exprimer librement et spontanément. De l'histoire de sa vie, on retiendra aujourd'hui et demain que notre très cher docteur Moukouené Myriam est issu de la lignée parentale Moukouené Wawa et Kalete Adibi du village Ndana, secteur de Manzansai, territoire de Bakata et Ndou, dans la belle province agricole du Kwilu. Elle a vu le jour le mardi 23 février 1988, ici à Kinshasa. Et voilà qu'elle vient de tirer sa révérence le lundi 22 juillet 2024, ici même ici à Kinshasa, loin de la terre de ses ancêtres, à l'âge très jeune de 36 ans. Laissant derrière elle les cœurs brisés de tous ceux qui étaient encore attachés à elle et qui avaient tant de choses à partager avec elle, surtout son veuf de mari et ses quatre enfants, dont elle a fait le centre de sa vie et pour qui nous avons une pensée particulière aujourd'hui. Très cher docteur, ils sont là, ils sont tous présents, qu'ils soient croyants, agnostiques ou non-croyants, souffrants ou pleins de santé, jeunes ou vieux. Ils sont tous présents, si ce n'est pas avec leur corps, c'est par leur cœur. Tous ceux qui un jour ont croisé ton chemin ou ont fait avec toi une partie de ta route ou plutôt de ton incroyable destinée sont regroupés
autour de toi. Je n'oublie pas tes parents, ta famille, ton mari et tes enfants qui ont partagé tes joies et tes épreuves. Il faut aujourd'hui à cette longue liste des confrères médecins ainsi que les patients bénéficiaires de tes prestations à la maternité des Kitambo ne serait pas complète s'il n'était pas évoqué la longue cohorte des inconnus de l'histoire. Ce que tu as croisé, écouté, respecté s'adresse à toi aujourd'hui à travers ces quelques mots que je ne servirai que d'interprète à la fois fidèle, concis et surtout sobre. En ce moment, pensons à ce que tu fis. Ce que fit sa vie, chère famille, des sentiments aux multiples facettes nous fendent tous les cœurs et sont témoignés de questions telles que pourquoi cette injustice, quel amour, quand bien même nous la savons inéluctable, a-t-elle encore frappé aveuglement, sans pitié et sans discernement, elle maintenant, sans laisser le temps de confiner, à contempler la mention de tous les liens qu'elle a semés dans les cœurs de tous ceux en qui elle survit aujourd'hui. Et bien, c'est en évoquant les noms chaque instant que notre vie nous donne, sans chacun de nos parents et amis, à notre très cher docteur Mouni Mariama. Tu as souvent guidé pour tous la force et la sagesse. Tu peux te reconnaître maintenant. Tu peux connaître enfin le repos et la paix éternelle hier, autant qu'aujourd'hui, de manière à jamais, puisque tu n'es pas de ceux qu'on nous dit. La fraternité et la joie que tu as semé dans nos cœurs. Ta famille, ton mari, tes enfants, tes confrères médecins et tes proches reconnaissent tous avoir perdu une sœur, une épouse, une mère et une amie qui était une femme au grand cœur, une femme aimable, sociable, attentionnée et joviale avec un sourire affectué et qui nous invitait, qui nous exhortait toujours au savoir-vivre, à l'amour du travail et à aimer la vie de prière. Fervente chrétienne catholique de la paroisse Mater Dei, située dans la commune du Mongafula, tu étais une femme qui croyait en la vertu de la foi et de la prière. Mes chères familles, parents et amis, frères et sœurs, ainsi rassurés par ces vents de l'espoir qui soufflait sur vous, ferait mieux d'offrir une petite place dans mon cœur à notre très cher docteur Myriam Mouguené, plutôt que d'aller la chercher à son domicile conjugal, c'est numéro 15 de l'avenir. Mabiongo, quartier Kimbundo, dans la commune de Mongafula, ni après le kit dominical dans sa paroisse Mater Dei, située dans la commune de Mongafula toujours, moins encore sur le lieu de travail, à la maternité des Kitambo. Mais nous ne pouvons plus jamais chercher à la rencontrer à ces différents endroits. Je pense que parce que nous sommes loin, à partir de ce jour, elle vient de changer d'adresse et de commune. Nous, comme on l'avait bien appelé, Mimi proposera ici à la métropole de Kinshasa, et cela dans le quartier Alpha sur la Lessette, au numéro 168 de l'avenue Hydra de Doum, dans la commune de Lancélé. Je reprends la nouvelle adresse physique de notre très cher docteur, Mouguené Myriam, qu'on appelle affectueusement Mimi, et bel et bien cité la métropole de Kinshasa, quartier Alpha à Lessette, au numéro 168 de l'avenue Hydra de Doum, dans la commune de Lancélé. C'est donc à cette adresse, chère famille, parents, frères et sœurs, que vous reviendrez si souvent pour les visites et pour relever sa tombe ou sa sépulture. Concernant les visites, sachant que la nécropole, notre terre et celle, vous êtes accessible durant toute l'année, c'est-à-dire le 1er janvier, le 1er décembre, même les jours fériés, mais c'est-à-dire de 9h à 16h. Et lesquels visiteurs sont gratuits. Cela concerne tous nos deux sites haïtiens, mais de l'autre côté, à Kimbourg. Donc, visitez tous les jours, sans exception, même les jours fériés, mais cela de 9h à 16h. Et lesquels visiteurs sont gratuits. On nomme toute l'équipe de la nécropole entre Terre et Ciel et ses partenaires, dans l'hôtel des villes de Kinshasa, il fallait plus. Donc, maintenant que notre cérémonie s'est terminée, il est temps de nous séparer physiquement du docteur Myriam est venu. Nous espérons que toutes les évocations formulées au cours de cette cérémonie vont s'ajouter inévitablement au souvenir personnel que chacun et chacune garde dans sa mémoire.
elle qui mérite la paix de notre éternel. Nous allons lui rendre au revoir avec une simple pression prêtée à la lanchère à Césaé, comme on l'a dit au village d'Inana, dans les secteurs de Manzansa et directeur de Bagata, le tout dans la belle et magnifique province agricole du Kouilou et Slamboyansi. Nous dirons tout simplement, docteur William Mouvelli, qui est pour vous. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, chers familles, chers parents et amis. Les corbières vont avancer. Et nous allons nous allier derrière ces discussions nombreuses, 92 Oh, yeah.
Mokonzi Yesu Kristo na liwalia yo ebembelalaki olimita mikolo misato. Wana osantisi malita
ma bateau banso bayandiyo. Benissa sikawa, ili taliye, et sikande konabiso akotika la seko. Alala, naboko tokino mokolo, oko sekisa ye. Et mwinda, mwadoviko motane la ye. Yo ozali nabo moi pe nabo konzi obile kobi so seko. Amen. Iwa liko betenga na wana pene pene nanga nanga kumwa koye meyo masumu yoko kuya manyu mayu kambwisa sanga mwisa onzela ya malambu mama Momo santo na kolula Salé Wayo Miriam Mawa Azalaki Kotosayo Sikawa Azwa Etum Bute Omokili Azalaki Nabuyam Asanganaki Nabana Bayo Nabulingi Wayo Bonen Asangisaye Osangisaye Sika Naban Zelupe Nabasantu Bayo Oya Chris Mokonja Biso Obileko Binso Seko Mokonzi Azala Nabino Zamba Bokasi Bonso ya Sandi Sibiso Binisa E Abatela Mokonan Konabiso E Abinisa Limita Lino E Sipande Konabisa Kovada Seko Amen La famille Miriam Je suis un peu plus de temps.
Merci.